Bonsoir à tous et bienvenue dans le Talk Show! Merci d'être avec nous sur Génération Nintendo pour cette émission consacrée à toute l'actualité de Nintendo. Ce soir, j'ai le plaisir d'être avec Kanozu. Wesh, wesh, la mif. Il y a Fry qui est avec nous. Yes, oui. Il y a aussi Copan. Bonsoir à tous. Et bonsoir, et il y a aussi moi-même, Megamagus, voilà votre fidèle serviteur pour ce nouveau Bravo. Nintendo Talk Show. Cette semaine, on va parler de beaucoup, beaucoup de choses, vous allez le voir. On va parler de Pokémon, on va parler de Hyrule Warriors, on va parler bien sûr de Super Smash Bros. Et de Steve, on va parler d'affaires judiciaires, bref, de beaucoup de choses dans cette émission numéro 205 qui commence maintenant. Maintenant, et oui, 205e émission, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Nintendo Talk Show. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Vous allez bien les amis? Ça va? Plutôt bien, ça plutôt va. Bien. Fatigué. Ça va, ouais. Fatigué aussi. Fatigué ça aussi, va. Bon c'est une période difficile, il faut le dire. Il commence à faire froid, on commence à en avoir tous marre de cette ambiance pesante à cause du Covid et de plein de choses, bref, donc voilà, mais... Il faut faire avec, il faut avancer, hein, voilà, la vie se poursuit. Et on espère en tout cas vous détendre et vous faire passer un bon moment durant cette émission pour parler de l'actualité de Nintendo, bien sûr. Donc voilà, dans vos oreilles, ce soir, vous aurez du Pokémon épée et bouclier, voilà, qui est plutôt sympathique, hein, écoutez. Voilà, on va s'écouter ça parce que je crois qu'on l'a jamais diffusé dans l'émission ou alors j'étais pas là et du coup je m'en souviens pas. Bref, mais c'est parti. Oula, c'était un peu fort, excusez-moi. Tac. Voilà pour Pokémon. Et voilà, juste pour avant de commencer, quand même, petite explication erratum. Alors, on est vraiment navré, mais c'est vrai que ces derniers temps, nous n'arrivons pas, faut le dire, hein, à tenir. Le rythme hebdomadaire de cette émission, hein, qui un coup passe à une fois toutes les deux semaines, une fois tous les mois, voilà, des fois on arrive à en faire deux d'affilée, bref, c'est un peu compliqué. Alors, pour tout vous dire, cette situation va un peu durer, malheureusement, donc il y aura des Nintendo Talk Show quand nous pourrons faire des Nintendo Talk Show, malheureusement. Là, pour l'instant, moi perso, je viens de m'installer à Paris, donc du coup, le temps de tout mettre en place. Et encore, cette émission, je tiens à dire, est faite en 4G, donc si ça plante, c'est normal, hein, voilà, c'est normal. Donc voilà. Et voilà, que vous dire, dans les prochaines semaines, voilà, il y aura beaucoup de choses, parce que il faut savoir que, voilà, Spy aussi a une vie de son côté, voilà, il ne peut pas assurer tous les vendredis soirs l'émission. Moi de même, j'ai aussi une vie de mon côté, hein, j'ai un travail, tout ça. Donc voilà, juste pour vous prévenir que voilà, l'émission va être un peu irrégulière ces prochaines semaines, voire mois. On espère régler ça le plus rapidement possible, mais bah, les aléas de la vie font qu'on ne peut pas être partout au même moment en direct. Donc voilà, j'espère que vous en excuserez et que vous serez quand même au rendez-vous avec nous, en tout cas pour suivre les émissions. Voilà, voilà. C'était juste un petit mot, voilà, comme ça pour être clair avec vous, parce que bon, quand même si honnêtement je considère qu'on ne vous doit rien, parce que enfin, chacun a sa vie, voilà, c'est ça, mais quand même, je pense que voilà, si en tant qu'auditeur fidèle, on vous doit quand même que, voilà, quelques petites explications, donc voilà, mais navré, mais voilà, ça sera comme ça malheureusement pendant plusieurs encore semaines, même si ça devrait se stabiliser peut-être dans les prochains mois, on croise les doigts en tout cas. Voilà, après ceci, l'OST, je l'ai dit, c'est Pokémon, et du coup, on enchaîne tout de suite, écoutez, on va pas tergiverser 10 000 ans avec le tour des news en moins de 80 minutes, c'est parti! 80 minutes de news ou un petit peu moins, et cette semaine, on va parler de beaucoup de choses, oui, pas de news à la con, parce que, bah, ou pas de news en bref, parce que c'est vrai que c'est sur des news importantes, donc on va tout faire en news importantes, pour tout vous dire. Et voilà, du coup on va parler de beaucoup de choses, notamment ce que vous voyez à l'image qui est en logo de cette émission, à savoir
la révélation du nouveau personnage de Super Smash Bros. Ultimate, à savoir Steve, évidemment, de Minecraft. Mmh. Voilà, c'est fait, il est annoncé, j'ai envie de dire. Votre première réaction face à ça, les amis, qu'est-ce que ça a été quand vous avez vu ce bout de bloc apparaître? Le déni. Le déni. C'était un fou rire vu le trailer, parce que on a du mal à croire que c'est un vrai trailer. J'ai pas pu rigoler, moi j'étais vraiment dans le déni, je me dis c'est pas possible, je regarde un fake. Et ouais, on a tellement rigolé, fait des vannes dessus, des mèmes sur le fait que voilà, machin, Minecraft Steve, tout ça. Qu'au final, quand ça arrive pour de vrai, bah, ouais. ton cerveau il bloque en fait. On croit pas trop, mais non, mais c'est vrai, hein, on y a. Moi, honnêtement, enfin, dès que j'ai vu que Mario il traversait la dimension, je me dis ok, c'est bon, c'est fait, ils l'ont fait. Voilà, comme ça, moi je me dis d'un côté, on est tranquille parce qu'il a tellement été réclamé, mais partout, que là au moins, c'est fait, c'est tranquille. Vrai, ouais. Et ça laisse la place aussi pour les prochains en fait. Complètement, c'est ça. Là, c'est vrai que voilà. Du coup, on navigue un peu dans le flou, hein, sur les prochains personnages qui vont arriver. Même s'il y en a beaucoup qui sont demandés, genre Waluigi qui est encore réclamé. En fait, même si bon, faudrait peut-être passer. Ce que j'ai trouvé bien, ouais. C'est qu'il n'y a pas eu de leak sur ce reveal. Donc ça, c'était bien. Complètement, ouais, il a été vraiment sorti du sol. Enfin, je crois qu'il a été annoncé 24 heures avant et vraiment une grosse surprise pour tout le monde. Donc c'est plutôt cool. Voilà, juste pour info, hein, c'est vrai que ça fait peut-être, on va dire quelques mois, voire peut-être quelques années depuis peut-être que Ultimate est sorti, qu'on a des envies de Steve dans Smash. Mais en fait, il faut savoir que Steve dans Smash est prévu depuis 5 ans, d'après certains chefs de chez Microsoft. Donc autant dire que c'était dans les cartons depuis très très longtemps, pour ne pas dire depuis peut-être Smash Bros sur Wii U et 3DS lorsqu'il y avait les DLC dessus. Donc voilà. Mais du coup, voilà, ça c'est fait, c'est acté, et puis voilà. Fry, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette annonce? Comment tu l'as prise? Comment tu l'as comprise, en tout cas? Je sais pas. Ça me survole un peu. Ouais. Mais comment dire, j'ai même pas regardé le stream en fait parce que j'étais occupé cet après-midi là. Ouais. Du coup, j'ai pas du tout compris quand tout le monde sur Twitter pétait les plombs. Et ensuite, j'ai vu et fait ah oui, bon, c'est compréhensible que les gens aient pété les plombs, non pas pété les plombs, mais fait péter le réseau entier parce que je crois que Twitter a crash à ce moment-là. Oui, c'est ça. Oui. Donc, ouais, bon après ça me... C'est vrai que Twitter avait crash, genre, au moment de l'annonce, pendant genre 20 minutes. Ouais, et ouais. Tu vois pas ta réaction directe, ouais. Quoi, sur... Ouais, c'est ça, ouais. Premier boss, ça, hein, pour une annonce de JV. Et, ben, du coup, comment dire que je m'intéresse pas plus tellement à Smash, donc en fait, l'annonce, bon... me hype ou me désintéresse pas plus que d'habitude, pas plus que les autres, quoi. Et je trouve que c'est bien pour les gens qui l'attendaient. C'est bien parce que c'est de rien, j'allais dire l'une des, mais en fait la plus grosse franchise de la dernière décennie. Et que du coup, j'imagine que ça fait que ça va toucher un public encore plus large. C'est que positif, quoi. Ouais, et que même si on n'est pas spécialement fan du jeu, du perso, du truc, y a quand même des points positifs dans tous les cas, donc je pense que c'était pas mal. Je suis assez étonné que ça arrive, quoi. Je pensais que ça arriverait jamais, tu vois, je suis vraiment... Ouais, ça n'arrivera pas parce que c'est genre trop gros, enfin, trop bizarre, trop étrange. Ouais, ça. Du coup, j'étais... Ça m'a quand même assez surprise sur le coup, mais globalement, je pense que c'est une annonce positive, quoi. D'accord, ok, bon, très très bien. Oui, excusez-moi, ça ramène un petit peu, c'est parce qu'en fait, je pense que j'ai mal calibré l'enregistrement local, en fait, sur mon PC, parce que j'enregistre en même temps qu'on stream, au cas où il y a une merde, et du coup, j'ai dû mettre peut-être un peu trop haut l'exigence, peut-être, donc voilà, bon, c'est pas grave, je l'ai arrêté, il n'y a pas de souci. Normalement, ça devrait être refluide, excusez-nous pour... Des petits problèmes techniques. Pour ma part, j'avoue que ça, ouais, j'ai été,
En fait, ça m'a fait ni chaud ni froid. Franchement, j'étais assez passif devant l'annonce. Même si je trouve ça très très cool, voilà, pour les fans de Minecraft, pour les fans de Smash qui l'attendaient, voilà, c'est très cool. Donc voilà, tant mieux. Donc pour les détails, je vous avoue que j'ai pas regardé en live la démonstration de Sakurai. Est-ce que tu veux que je te fasse un résumé express? Mais je t'en prie, fais-moi un résumé express si tu veux. Alors, le résumé express, c'est qu'il va falloir avoir un doctorat en physique quantique pour réussir à jouer le manier. Alors en fait, genre, je pense que c'est le perso le plus complexe parmi les DLC qu'ils ont implémenté jusqu'à présent. Ouais, c'est le plus complexe. Ouais. C'est le plus, le plus à part en fait, parce que voilà, comme dans le jeu d'origine, tu peux miner. C'est-à-dire que tu as une option où tu peux taper dans le sol de n'importe quel terrain, tu vois, et ramasser des matériaux. Ouais. Donc de la terre, du bois, du fer, etc. Mm-hmm. Tout ça se met dans une petite jauge, et en fait, avec ces jauges, du coup, tu vas poser les blocs. Tu vas utiliser certaines attaques, comme le minecart, qui utilise du fer, etc. Et d'accord. Du coup, tu as de la gestion de matériaux pour pouvoir utiliser tes attaques. Et c'est le seul perso, à ma connaissance, qui a ça. Parce que, bon, les autres, c'était genre, gérer une petite jauge de mana pour le héros, bon, c'est plutôt simple, quoi. Mm-hmm. Mais là, t'as vraiment plusieurs matériaux à gérer. Y a un petit côté RNG pour trouver les matériaux, etc. Mm-hmm. C'est très spécial. C'est un perso qui a beaucoup de potentiel, mm-hmm. mais qui va demander beaucoup de travail pour ceux qui veulent y aller à fond. Ça, c'est sûr. Mais oui, de ce que j'ai vu, c'est assez compliqué. Perso, je vais rester sur Kirby, hein. Voilà, ça me va très très bien. C'est ouf. Mais ouais, j'ai vu, enfin notamment, il y a des constructions, là, des espèces de maisons à faire et tout, à plusieurs, quand on est plusieurs persos de Minecraft sur le même terrain. C'est plutôt sympa, enfin je veux dire, c'est super poussé et tout, et c'est très très cool, mais c'est vrai qu'à jouer, ça doit être de penser à ça, en plus de pas se faire battre par d'autres ennemis, ça doit être quand même assez chaud. Et pour le coup, ils ont poussé le concept assez loin. Donc voilà, on peut voir que le terrain est complètement destructible hein, par Steve. Du coup, avec sa hache ou avec son piolet. Et voilà, après, bon, il attaque un peu comme tous les épéistes. Et donc, voilà. Il y a aussi, oui, voilà, c'est ça. Il y a aussi des stades, c'est ça, des stades d'armes. Oui, d'arbre. Tu peux améliorer les armes. C'est ça, ouais, on peut améliorer les armes selon ce qu'on trouve dans le sol ou dans les trucs qu'on détruit. Enfin, ouais, c'est quand même assez, assez chaud patate, hein, on va pas se mentir. Par contre, Sakurai a une épée trop stylée, voilà, qui se transforme en épée ou en piolet quand tu le réduis, c'est ça, là, il va le montrer, là, je pense, dans un instant, s'il veut bien. Qui coûte 100 balles sur eBay. Voilà, je trouve qu'il qui était plutôt stylé. Tac, boum, et hop, ça fait le piolet. Bref. Mais voilà, du coup, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc ça, tu l'as dit, la fameuse jauge, espèce de jauge de mana, voilà, pour récupérer les trucs, on voit que sur le terrain, il y a quand même plusieurs environnements designés hein, pour le même terrain. On a donc de la plaine, il y a de la neige, il y a un truc un peu automnal, un peu forêt. Donc c'est plutôt poussé là aussi. Côté musique, il y aura donc 7 musiques réarrangées spécialement pour Smash Bros. Qui sont dans le jeu. Donc voilà, c'est plutôt sympa aussi. Hein. Là aussi, on voit qu'ils participent plus que certains autres éditeurs. Bref, aucune musique du jeu d'origine, de Minecraft lui-même. D'accord, ok, c'est des musiques. Elles viennent toutes de Minecraft, de spin-off, genre Minecraft Donjon. Ah, oui, ok. Et de trucs, parce qu'en fait, bah, apparemment, il y a eu des problèmes de droit avec les compositions originales du jeu. Et apparemment, elles ne colleraient pas à l'action de Smash Bros. D'accord, ok. C'est bizarre. Bon, pourquoi pas, ça il y a beaucoup souvent des problèmes de droit de ce genre en plus hein, dans ce match. Ouais, pense à Cloud, hein. Oui, absolument. Il y a deux musiques. Ouais, c'est ça. C'est quand même assez fou. Voilà du coup pour Steve hein, qui a animé les passions et les réactions sur YouTube. Hein, évidemment, il y a des milliers de vidéos de réactions hein, si vous voulez vous faire plaisir. Ce genre de vidéos, c'est toujours plaisant à regarder, même si c'est un peu répétitif. Mais voilà, du coup Steve est annoncé, il sortira donc le 14 octobre sur l'eShop en version seul. Voilà, vous pouvez l'acheter seul à 6€, enfin 5,99€, ou alors il sera compris bien sûr dans le pass DLC 2, enfin dans le pass d'expansion 2. Si vous l'avez déjà acheté, vous l'aurez directement avec une update. C'est ça, avec une mise à jour, absolument.
Donc voilà, du coup, c'est comme d'habitude là-dessus. Donc en plus de Steve, il y a aussi des personnages Echo. Il y a Alex, Zombie et Enderman. Donc ils sont d'autres formes de Minecraft. Et voilà, c'est à peu près tout. De toute façon, c'est le package qu'il y a à chaque fois pour les nouveaux persos de Smash. Si pas de bêtises, du coup, il en reste 3, c'est ça, du DLC 2 ? 4. 4, autant pour moi. 4, parce qu'il y en a 6 spécialement dans le DLC, dans le deuxième patch. Absolument. Donc voilà, du coup, on attend les 4 autres pour l'année prochaine, très certainement, parce qu'avec le Covid, ça a dû être repoussé, tout ça. Et voilà. Et avec le bon point des 4 autres persos, c'est que ce ne sera pas des persos de Notch, lol. Ouais, il n'y a plus son nom nulle part. Hein. Il n'y a plus son nom, ouais. Ouais. Bah, tant mieux, hein, qu'ils aient viré son nom. Fallait bien trouver un réel mauvais point de l'annonce, c'est le seul. Un pire point, c'est que c'est un perso Bill Gates maintenant. Oui. Mais non, c'est Hatsune Miku qui a fait Minecraft. C'est le mec qui a inventé le coronavirus, là, je l'ai lu sur une page Facebook. Oui. Et on se fait strike. Du coup, la question qui se pose, c'est sur les 4 persos qui restent, qu'est-ce que ça va être? Il y a beaucoup de demandes qui tournent autour de Rayman parce que c'est quand même un personnage emblématique du jeu vidéo, mais bon. C'est le pire moment pour mettre un perso Ubisoft. Hein. Ah oui, non, mais d'accord. Ouais. Ah, ça, je suis plutôt d'accord. Hein. Là-dessus, je pense pas que Nintendo veuille s'associer avec les problèmes du Ubisoft. Je pense pas non plus, mais bon, après, ça reste un ouais, personnage iconique qui a des capacités intéressantes pour Smash. Oui, si c'est vrai. Plus de longue date, tu peux rien y faire, tu vois. À moins qu'Ubisoft se fasse racheter, ouais. Je pense pas qu'il va voilà, si c'est des trucs en discussion depuis 5 ans, comme pour Steve, bah pour le coup, Nintendo n'y peut rien. Et bah, c'est fait. Est-ce que t'as 50 négociations pour Rayman? Le mec, il peut même pas avoir un jeu. Steve, je vais bien y croire, parce que voilà, c'est Minecraft. Mais ouais, mais sinon, quel autre perso? Moi, je pensais à Ninja Gaiden. Ah ouais? Ah oui. Il est pas déjà en combattant deux? Hayabusa, c'est ça? Je sais plus comment il s'appelle. C'est Ryu quelque chose. Du coup, il s'appelle Ryu aussi. Ouais, Ryu, ouais. Je crois pas qu'il y ait de Ninja Gaiden dans Smash. Ah, ça serait pas mal. Mais... Non, il y a pas du tout. Je lis dans le chat Oliver de la Cave qui propose Master Chief, Crystal. Et Isaac, j'imagine. Et Isaac, ouais. Ah bah il y a le fameux aussi. Je pensais à un moment, je pensais à Doomguy, mais il y a quelqu'un qui m'a rappelé que comme le perso est quand même très violent, je vois pas trop Doomguy en Smash. Ouais, c'est vrai. Comme je vois un peu violent. Pareil, j'aurais dit Resident Evil, mais pareil, hein, ça va être un peu compliqué d'avoir des flingues dans le jeu. Bah après, il y a Snake hein, qui est là. Oui, mais je sais pas, c'est un peu cartoon, les missiles et tout, tu vois. Genre, oui, c'est bon. Vrai que c'est vrai que ça passe. Les missiles, tu vois, ils tirent pas avec une M16. Ouais, c'est pas faux, ouais. Ouais, avec une sulfate. Après, ça pourrait être un personnage un peu à la Wii Fit Trainer, genre le personnage dans Ring Fit Adventure. Oh là là, mon dieu. Le bad buzz. Ça serait inattendu, ça. Le perso qui fait tout, hein. Il fait les abdos pour. Mais ouais, je pensais à un autre, oui, à Geno, voilà, qui est tellement demandé depuis des années aussi, je sais même pas s'ils vont le mettre, honnêtement. Ah, ils peuvent même pas mettre Mario RPG sur l'application Super NES, non. Ils peuvent pas à cause des droits, donc franchement... Pourtant, ouais. Le Super Mario RPG, il est bien sur la SNES Mini. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, après, faut voir ça avec Square, hein, et Square, on sait très bien qu'ils sont assez chiants au un niveau nouveau du Pokémon. C'est ça. Un nouveau Pokémon. Aussi, hein. Non, ouais, un nouveau perso possible. De Fire Emblem. Alors, il n'y en a pas assez, je trouve. C'est trop facile, ça, après. Tu rajoutes un Pokémon, tu rajoutes un perso de Fire Emblem. Ça. Ouais, c'est pareil. Autant des deux, quand même. Ouais, c'est ça. Voilà, du côté des Mi, parce qu'on a aussi eu des annonces pour les Mi. Et là, j'ai pensé à Tomb Raider, voilà. Ah, c'est pas bête, ça. Ouais, pourquoi pas, ouais. Why not? Du coup, ouais, on a aussi eu des combattants Mii, et là aussi ça a beaucoup réagi. Alors, bien sûr, il y a la suite de Minecraft, puisque en combattant Mii, en costume Mii, nous avons Creeper, donc qui est un boxeur. Nous avons le cochon qui est aussi un boxeur. On a Armure en diamant qui est un épéiste. Ensuite, on a d'une licence que je ne connais absolument pas, je vous l'avoue, Gilgamesh qui est donc un épéiste.
Voilà. The Tower of Druaga, un ancien jeu arcade de Bandai Namco. Absolument. Ouais, c'est vieux. Que je connaissais pas du tout. L'autre Il y a d'ailleurs un anime dessus aussi, mais je sais pas si c'est le adapté. Oui, c'est le même. Enfin, c'est sur la... sur le jeu arcade. Ok, il est pas mal. Hein. L'anime est pas mal. D'accord, ok, bon. Très très bien, on vous fait confiance là-dessus. Le premier qui a fait réagir, c'est évidemment Bomberman, parce que beaucoup, je pense, le voyaient en fighter normal. Voilà, et du coup, non, il est reclassé en Mii. En plus, il est déjà en trophée. Non, il est déjà en trophée, absolument. Ouais. Et vu qu'il était demandé. J'ai bien aimé qu'il soit au moins en Mii. Ouais. Attends, mais c'est qui a la licence Bomberman? Ah non, c'est Konami. C'est Konami, ouais. Parce que j'allais dire, pour le coup, tous les développeurs de Bomberman, ils bossent pour Nintendo maintenant, oui, mais ils n'ont pas les licences. Non. Donc voilà, mais surtout, celui qui a fait réagir et fait péter Twitter encore une fois, c'est Travis Scott. Eh oui, le héros de No More Heroes, qui beaucoup le voulaient en vrai héros, en vrai roster. Hein. Et bah non, ça sera du coup un costume Mii. Bon, forcément, Kano, j'ai pensé à toi quand ça a été annoncé. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ça t'a fait mal? Tout le monde a pensé à... Non, parce que j'y croyais pas une seconde qu'il serait dans le roster. Mais bon, ils auraient pu mettre une musique quand même. Genre le costume, il est pas très... Je trouve pas très beau. J'achèterais quand même parce que je suis contractuellement... Je suis contractuellement obligé de posséder les trucs de Mori Rose. Oui, t'as un bon client, c'est ça que j'achèterais. Je suis un bon client. Au moins, il est là, quoi. Genre, au moins, il y a un truc de Mori Rose dans le jeu. Ouais, bon, on aurait voulu avoir le perso, mais bon, c'est... Ouais. C'est déjà ça. Ouais, c'est surtout l'épée que je trouve un peu bizarre. Bon, ils ont fait comme ils ont pu, je pense, avec les limitations du costume Mii, mais ouais. C'est un peu dommage, mais bon, c'est ainsi. Ouais, c'est vrai que la tête, ils ont pris un Mii. Ouais. Ils ont essayé de le faire ressemblant, je pense, mais ouais, c'est pas bien passé. Voilà, du coup, pour les costumes Mii qui sont disponibles au prix de 80 centimes unitaires. Voilà, qui sont pas compris dans le DLC 2, hein, si j'ai pas de bêtises. Hein. Ça, c'est non, c'est le truc. Ils sont pas dans les DLC. Ça, c'est bien en plus, ouais. Donc, voilà, du coup, pour cela. Et on termine avec la dernière annonce, et pas des moindres. C'est les petites figurines qui vous font raquer 15 euros à chaque fois. C'est donc les Amiibo. On a donc eu les Amiibo de Banjo et Kazooie, qui est juste super beau. Voilà, qui est trop, trop classe. Vraiment, là-dessus, rien que pour un objet de, on va dire, d'exposition, ça ferait super beau. On a aussi eu donc Bileth, ou Bileth, voilà, qui donc aussi sera disponible dès l'an prochain. Et enfin, le dernier, c'est bien sûr Terry, qui sera aussi disponible. Terry Bogard, tout à fait, qui sera disponible donc en 2021. Elles sont bien faites, je trouve. Ouais. C'est de plus en plus détaillé, hein, les Amiibo. Vraiment, ouais. C'est dommage qu'on arrive à la fin, du coup, parce qu'on n'allait plus beaucoup à la fin. C'est ça. C'est ça. Après, c'est vrai qu'en dehors de Smash, il n'y a pas forcément rien. D'autres jeux qui méritent autant de figurines, quoi. Enfin, ou en tout cas, des figurines. Après, c'est devenu pour la collection. Oui. Au début, il y avait une utilité, mais là... Ouais. Ah, mais en plus, c'est tirage super limité. Il faut précommander des mois à l'avance pour en avoir un, parce qu'ils n'ont quasiment plus. Ouais. Mais là, je pense que le Banjo-Kazooie va bien se vendre, à mon avis, vu que c'est un personnage un peu iconique et... Voilà. Sa cote va monter, du coup. Ouais, je pense. Hein, voilà, ouais. Bon, après, il sera peut-être trouvable, hein, mais dans les premiers mois, sûrement qu'il sera un peu difficile à trouver. Voilà pour l'actu Smash. Donc, on a pu voir, évidemment, Sakurai, qui, je trouve, est en meilleure forme qu'il y a quelques mois. Hein. On va pas se cacher que le confinement, ça lui fait pas de mal. Hein. Moi, je trouve qu'il est quand même, il est quand même bien mieux qu'il y a quelques mois. Il se repose plus chez lui, ouais. Je pense, oui. Je pense qu'il prend plus de temps pour lui. Bref, enfin, voilà, on trouve un petit peu moins marqué quand même qu'il y a quelques années. Mais voilà, du coup, il a tourné cette vidéo tout seul, comme d'habitude. Il faut savoir que la vidéo a été tournée en août dernier, donc il y a presque 2 mois. Donc voilà, peut-être que là, en ce moment, il est en train de tourner la vidéo pour décembre ou pour janvier, pour le prochain personnage, sait-on jamais. Mais voilà, du coup c'est plutôt sympa. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire de toute façon sur Smash. Donc voilà, tout ça, donc le Steve de Minecraft est disponible à partir du 14 octobre sur l'eShop ou dans le DLC 2 si vous l'avez acheté. Et puis voilà, on attendra le prochain personnage d'ici l'année prochaine. Normalement. Voilà.
Donc voilà, on voit, donc Manchon nous dit le gars il bosse à fond sur Smash Bros, même chez lui, respect Gaba. Dans l'interview, il dit même que lorsqu'il bossait tous ensemble, enfin en studio en tout cas, il bossait entre guillemets entre midi 2, c'est-à-dire que pendant la pause déj, il jouait à Smash pour voir les problèmes qu'il y avait et pour les régler au boulot. Donc du coup, c'est du boulot, enfin je sais pas, c'est quand même compliqué comme limite. Je sais pas, c'est... Je sais pas ce que vous en pensez. Drogués au taf. Ouais, c'est... Mais après le problème c'est que vu qu'ils bossent trop, ça fait bosser aussi les gens. Bah, oui, c'est pas un très très sain. Ça fait bosser autour de lui. Franchement, pour les DLC ça va, hein. Je pense qu'ils bossent pas non plus trop pour les DLC. Oui, sûrement. Oui. D'ailleurs, il a précisé qu'il ne recrutait pas. Voilà, sûrement qu'il a eu plusieurs demandes et du coup il a dit qu'il ne voulait pas recruter de nouveaux développeurs, donc c'est bon. Là, c'est vrai qu'il recrute. Il recrute pas. Il avait dit aussi qu'il recrutait pas des personnes. C'est-à-dire que s'il recrute dans la boîte, c'est définitif en fait. D'accord, ok. Il fait pas de sorte de CDD. Ah oui, ok, c'est CDI en gros, voilà, à vie. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, très très bien. Bonsoir à toi Mindo et bonsoir à tout le reste, à Manchot et à Olivard de nous avoir rejoints durant cette émission. N'hésitez pas bien sûr à commenter, on vous lit bien sûr comme d'habitude. On va passer à un autre sujet du coup de notre émission. On va aller du côté de Pokémon puisque Pokémon a dévoilé son second DLC pour épée et bouclier. Donc là, cette fois-ci, on va aller un petit peu vers la neige, hein, voilà, parce qu'on arrive en hiver, donc c'est plutôt logique. On va donc à Couronneige, voilà, avec le pass d'expansion numéro 2. Avec la partie 2 du pass d'expansion, pardon. Donc le DLC s'appelle Les Terres enneigées de la Couronne. Et donc dans cette nouvelle aventure, donc il y aura aussi des nouveaux Pokémon, notamment un. Il y aura donc Ryogada de Galar, qui est donc l'évolution de Ramolos de Galar, qui sera donc de type Psy et Poison. Donc voilà, c'est annoncé depuis un petit moment, hein, ce nouveau Pokémon exclusif à ce DLC. Mais on a appris aussi qu'il y aurait de nouveaux modes dans ce DLC qui seront débloqués, notamment les expéditions Dynamax. En gros, ça s'apparente à du jeu en multi, à 4 apparemment. C'est ce que vous voyez actuellement. Donc c'est un groupe de 4 personnes qui utilisent des Pokémon spécifiques qui vont s'aventurer pour aller combattre des Pokémon Dynamaxés voilà, par dizaines, notamment des Pokémon légendaires qui ont été ajoutés avec ces DLC. Je pense à Sulfura, Articodin et Elector de Galar, du coup. Donc voilà, le but sera d'aller le plus loin possible. Il n'y aura pas de fin, en fait. Ce sera d'aller le plus loin possible et d'attraper le plus de Pokémon possible. Et voilà, donc ça a l'air plutôt sympa. L'autre ajout, donc, c'est le tournoi des Stars de Galar que vous voyez. Donc ce seront des 2 contre 2. Vous jouerez avec un champion ou un champion de dojo ou d'arène ou un ami, bref. Ça sera donc du 2 contre 2 contre des champions. Voilà. Et l'autre ajout, non, c'était tout là-dessus. Et aussi, on a aussi la possibilité de récupérer des Pikachu avec des casquettes de Sacha. C'est génial. Voilà, je sais pas comment dire. Mais... Voilà, c'est de la mignonnerie. Donc pour cela, par contre, il faut des codes. Code, bien sûr, qu'on vous a mis sur Génération Nintendo. Vous pouvez récupérer les 2 premiers. Voilà, vous l'avez ici, donc le premier et le deuxième va apparaître dans quelques secondes avec la bande annonce. Et on vous a remis les codes pour faire copier-coller directement sur GN dans notre news recap, faite par Kanuzu, bien sûr. Donc voilà. Le DLC sortira donc, je l'ai pas dit encore, le 22, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Non, j'ai oublié. Ouais, 22-23. Attends, je vais aller à la fin. Ça, c'est la version physique. Hop. 23 octobre pour la version dématérialisée et le 6 novembre sortira une version en boîte avec le jeu et les 2 DLC, enfin et le pass d'expansion on va dire, sûrement au prix de 60 balles hein, comme d'hab, mais voilà pour ceux qui... Alors, c'est pas 60 balles, c'est 80 balles. Ah autant pour moi, c'est 80, et bah très très bien, ça bouge pas du coup. Hein. Le jeu n'a pas baissé de prix du coup... D'accord. Si tu rajoutes, ça coûte 30 balles le DLC normalement, donc tu rajoutes 20 balles. Ouais, ok, t'as le DLC à 20 balles, ouais, ok. Bon. Pourquoi pas. Mais ouais. Bon, pour ceux qui l'ont pas, bah, pourquoi pas d'avoir tout d'un coup pour un peu moins cher, voilà. Mais c'est quand même pas énorme. ces annonces, qu'est-ce que ça vous fait? Voilà, Pokémon qui continue, voilà, à se...
à se fournir en DLC un an après sa sortie. C'était prévu, de toute façon. Kanozu, toi qui es un petit peu l'expert parmi nous, qu'est-ce que... Ah, je suis l'expert Pokémon de la rédac. C'est ça. ça a l'air bien. J'ai bien aimé le premier DLC que j'avais testé. Je testerai aussi celui-là, hein, mm-hmm. d'ailleurs, en passant. Le premier était assez sympathique. Plus de contenu qu'il n'en paraissait. Mais je pensais que c'était un peu un amuse-bouche. Le deuxième DLC, il va être un peu plus conséquent. Ne serait-ce que capturer tous les Pokémon légendaires, ça va prendre du temps. Ouais. La neige, j'aime bien. Dans l'ensemble, je trouve que c'est cool. Peut-être toujours un petit peu trop cher quand même. Enfin, 30 balles, je trouve que c'est un peu... Je pense à 20 balles, ça l'aurait mieux fait. Ouais. Mais dans l'ensemble, c'est quand même de la bonne. De toute façon, si vous êtes fan de Pokémon, vous allez acheter les DLC parce que vous voulez avoir les nouveaux Pokémon légendaires qui sont exclusifs à ces DLC. Tout à fait, pour pouvoir transférer. Donc je pense pas que je vends le truc à qui que ce soit, mais le premier était sympathique et je pense que le deuxième le sera aussi. Ok, très très bien. Toi, Copan, aussi, pour te donner envie sur le deuxième DLC Moi, le premier DLC, je m'attendais pas à grand-chose. Et finalement, j'ai beaucoup apprécié le premier DLC par rapport au jeu de base. J'ai bien aimé le jeu de base, mais pas énormément à cause de le fait que les zones open world, en fait, par rapport aux zones des villes, ça faisait deux jeux différents, en fait. C'était bizarre. D'accord. Alors que là, dans le DLC, c'est complètement open world. Okay. Et c'est beaucoup plus immersif, je trouve. D'accord, oui, je trouve aussi. Alors, j'avoue ne pas avoir acheté ce Pokémon, hein, parce qu'il faut bien avouer qu'il ne m'intéresse pas des masses. Mais oui, il y a des temps de changement, en fait, entre plaine et ville. Dans le jeu de base, tu avais ce qu'ils appelaient les terres sauvages, qui est la zone open world où les Pokémon se baladent et tout. D'accord. Et après, du coup, à part, tu avais les villes et les routes, mm-hmm. qui sont des Pokémon plus classiques. Et du coup, c'est plus open world, tu peux plus aller partout. Ah ouais. Les Pokémon se baladent, mais du coup, c'est en fait, les gens... c'était plein du coup de cette rupture entre l'open world et le Pokémon classique, tu vois. Et du coup, dans les DLC, c'est pas le cas, c'est full open world tout le temps. D'accord. Du coup, il n'y a pas de temps de chargement entre les routes ou quoi, tout est en un seul bloc. C'est plus agréable, en fait. Je trouve ça plus intéressant. Je comprends. Bon, d'accord, très très bien. Bon, ben, si on a réussi à améliorer ça, tant mieux. Hein. Voilà, c'était l'une des divergentes, comme vous le dites, et du coup, ils ont réussi à régler ça dans les DLC. Voilà, Fry, toi, Pokémon, t'es un peu comme moi, je suppose, un peu. Ça t'en touche une sans balancer l'autre. Oui, j'en ai rien à faire, mais bravo à ceux que ça intéresse. Voilà, c'est exactement ça, voilà. Tant mieux, voilà. Tant mieux si vous êtes heureux de ces annonces, voilà, c'est le principal. Voilà, donc Pokémon, on rappelle DLC 2, donc le 23 octobre, et la version physique avec tout compris à 80 balles, à le 6 novembre, du coup. En magasin, parce qu'il faut bien faire vivre les boutiques. Donc voilà pour Pokémon. On passe à un autre jeu qui sortira lui dans quelques semaines, c'est Hyrule Warriors, l'ère du fléau, qui a été annoncé donc il y a quelques semaines maintenant, milieu septembre. Et donc voilà, il va retracer les événements avant Breath of the Wild, donc c'est-à-dire les événements qui ont eu lieu 100 ans avant le réveil de Link. Donc pour savoir un petit peu pourquoi est-ce que Hyrule est ravagé, pourquoi est-ce que tout le monde, spoiler, est mort. On va découvrir ça un petit peu dans cet épisode. Donc voilà, ça va être plutôt sympa. Et donc on a eu de nouvelles images, il y a eu plein de nouvelles images, il y a notamment eu un Treehouse Live il y a quelques jours pour présenter 45 minutes de gameplay. Pour pas trop spoiler, je ne diffuserai pas les images, hein, mais voilà, ça montrait surtout un petit peu des zones de désert où on peut jouer Zelda aussi, bref, donc c'est plutôt sympa. Je vous invite à aller voir ça. Mais dans un autre trailer, on nous a présenté deux nouveaux personnages qui sont dans Breath of the Wild. Donc c'est deux personnages qui s'appellent Prua et Pharah. Ce sont deux scientifiques qu'on peut retrouver dans Breath of the Wild. Voilà, que vous pouvez croiser dans différents villages. Et donc là, qui sont forcément rajeunis puisque c'est 100 ans avant. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de les voir. Faut savoir aussi que, je crois qu'on n'est pas revenu aussi, mais dessus, ils ont aussi Impa en version jeune. Et je sais que ça a fait parler. Bon, je sais plus pourquoi ça avait fait parler d'ailleurs. Je sais plus pourquoi ça a fait réagir. Elle était trop jeune, trop... c'était pas logique, je sais pas. Non, parce qu'ils ont pris le même modèle que la fille. En fait, ils se sont pas fait chier, en fait.
Elle ressemble très fort à cette fille dans Breath of the Wild qui avait un crush sur Link, j'oublie son nom parce que le perso est un Gozef. Oui, absolument. Oui, complètement. Celle-ci, il lui ressemble très fort. D'accord. Parce que voilà, les Sheikas s'habillaient comme ça. Bah oui, enfin, de toute façon, c'est une Sheika, donc bon, c'est... Oui, non mais ok, bon bah très très bien. Mais j'avoue, j'avais pas trop compris la polémique entre guillemets à l'époque, donc voilà. Mais bref, voilà, Hyrule Warriors, est-ce que voilà, il sort dans à peu près un mois maintenant, pas plus d'un mois, est-ce qu'il vous tente toujours, est-ce qu'il vous fait envie ce jeu? Oui. Moi très, oui, depuis la présentation du Triops, oui, il me tente beaucoup. Très très fort. Hein. Ok. Pendant le Triops, ils ont montré la map du jeu, qui est du coup la map de Breath of the Wild. C'est après, ça. Le menu, tu passes par la carte de Breath of the Wild, tu dois choisir dans la carte les missions où tu veux aller et tout. Mm-hmm. Et je trouve ça très stylé. Le jeu a l'air extrêmement stylé. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a un vrai scénario là, par rapport aux autres Hyrule Warriors où ça partait dans tous les sens. Là, il y a un vrai scénario, un vrai fil conducteur. Mm-hmm. Du coup, ça sera, je pense, un meilleur jeu que les autres Hyrule Warriors. D'accord. C'était plus un jeu fanservice, je dirais. Mm. Oui, non, c'est vrai, là ça a l'air quand même assez abouti. Alors, il y a eu quelques éléments en plus, faut savoir, donc c'est Eiji Aonuma qui est allé voir la team qui s'occupe de Hyrule Warriors pour leur dire, bah écoutez, j'ai cette idée en tête, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Et bah, ils ont été super saucés, genre Eiji Aonuma qui vient les voir pour faire un jeu, forcément, on dit oui, hein. Mais voilà, et du coup, ça s'est fait plutôt comme ça, et après, bon, il y a eu le développement. Mais surtout dans une interview, il y a un truc très intéressant, je trouve, qu'il a dit, c'est que le producteur du jeu dit « Ah bah nous, ce qu'on est le plus fier, en tout cas, entre guillemets, c'est que c'est pas leaké. LOL !» Voilà. Non, en vrai, il dit... J'avoue, c'est fort quand ça leak pas, franchement. Bah, c'est vrai que c'est bien la seule annonce qui pas leak. Faut avouer que là, pour le coup, ça a pas leaké, et ils le disent eux-mêmes, bah, les retours sont super, super cool, et que personne ne juge le jeu avant même qu'il soit annoncé, donc c'est quand même agréable d'un côté... En fait, je suis en train de me dire que on va quand même avoir un jeu Zelda Breath of the Wild cette année. Ouais. En attente du prochain. C'est ça, de la suite. Du coup, il y aura en fait trois jeux dans la même. On a une trilogie. De trilogie, c'est quoi. C'est incroyable. Absolument. Fry, tu voulais rajouter? Bah, je vais dire, en même temps, s'il avait leaké, on n'y aurait pas cru, quoi. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Je n'aurais pas du tout. Dire celui-là, au début j'ai cru que c'était juste le portage d'Hyrule Warriors Wii U, et je me suis rappelé qu'il avait déjà lieu en fait. Oui. Oui, c'est ça. Et ben non. Donc voilà, du coup le jeu sortira le 20 novembre, on rappelle. Il y a une version collector, mais je sais plus si elle sort en Europe. Je crois qu'elle sort en Europe. Elle sort pas en Europe. Ça pas annoncé encore en tout cas, mais il est un peu tard, donc il sort pas. Ouais, sans doute pas, ouais. Mais du coup, il y a une version collector si vous voulez l'importer avec une espèce de serviette en forme de parachal là, de Link. Ça a l'air nul, hein. La commandez pas, le collector. Ouais. La collector du premier Hyrule était plus sympa, il y avait l'écharpe et tout, c'était cool. Oui. Mais là, c'est vrai. C'est un peu beau. Ouais, t'es pas cher, genre je crois que tu payais 10 balles de plus, t'avais l'écharpe, un truc c'est comme ça. Et il y avait même un coffre, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus, je me rappelle qu'il y avait un coffre. Ou... Bon, bref. Mais ouais, du coup, voilà, disponible donc le 20 novembre. Au même prix que Breath of the Wild, je crois, hein, il sortira à 60 balles. Hein. Ça, c'est pas trop. Oui, je pense. Pas trop étonnant. Donc voilà. Vous pouvez le précommander déjà. Oui, tout à fait, vous pouvez le précommander. D'ailleurs, bah, je veux pas faire de pub, mais il y a 10€ à la Fnac. Voilà, avec un poster. Donc si vous le voulez avec ou 15€, je sais plus, attends, je vais aller regarder. Mais ouais, il y a quelque chose d'offert, il me semble. L'ère du fléau, c'est ça. Je me dépêche. Ce stream n'est pas par la Fnac. Non, pas, absolument pas. Non. La Fnac nous envoie pas des pour la stream. Pas. Et j'ai été médisant, il est à 50. Ah, autant vous voyez, il est à 50. Ouais. Pas mal. 50€, 10€ offert à la Fnac et un poster A2. Voilà. Donc c'est un grand. Voilà, un peu comme une affiche de film. Donc bref, voilà. Et il est moins cher, je crois, chez Amazon, il est 5€ moins cher. Voilà, pour ne pas faire de privilégier, voilà, de ne pas privilégier un commerçant plutôt qu'un autre. Voilà du coup pour les news de cette semaine. C'était les grosses news de cette semaine. Je vous propose de continuer l'émission tranquillement avec l'agenda de la semaine. Allons-y.
L'agenda de la semaine. L'agenda de la semaine, eh bien, écoutez, on va parler de pas mal de jeux qui vont sortir cette semaine. C'est assez fourni pour le coup. Pour le coup, j'ai fait une sélection parce que je crois qu'il y a, d'autres jeux qui sortent, mais un peu plus mineurs, entre guillemets, on va dire. Et, bon, faut faire un choix, on peut pas parler de 10 jeux en même temps. Mais du coup, voilà, il y a quand même quelques petits jeux sympathiques qui vont sortir. À commencer eh bien, par Hardcore Mecha. C'est un jeu de mecha, spoiler. Hardcore Mecha, donc c'est un jeu d'action. C'est un jeu pour Kano. Je sais pas si c'est un jeu pour Kano. Mais je ne le connais pas. C'est un jeu en 2D avec une animation assez sympa, je trouve. Voilà, c'est pour ça qu'il m'a tapé dans l'œil. Un jeu d'action donc, développé par Rocket Punch Games, édité par Arc System Works. Ça sortira le 14 octobre au prix de 19,99€, donc une vingtaine d'euros. Voilà, je vais passer un petit peu parce que là c'est la cinématique. Vous voyez un petit peu de gameplay. Mais déjà la cinématique est vraiment super cool, je trouve. Et même les animations dans le jeu sont vraiment sympas. Voilà, je vous laisse regarder. C'est un jeu japonais ? C'est un jeu japonais, absolument. Ouais, c'est un jeu japonais. Parce qu'il y a de l'animé dedans, il y a des voix façon animée. Ouais, j'aime pas, complètement. Effectivement. Voilà. Oui, c'est pas un. Ok, d'accord. C'est un jeu d'action 2D. Ouais, il a l'air intéressant. Ouais. Pour ça, je me dis, c'est plutôt sympa. Il a l'air plutôt poussé. Enfin, je veux dire, ils sont allés au bout de leur concept et tout. Enfin, ça, en tout cas, ça a l'air d'être allé au bout du concept. Avec des gros mechas, avec des vaisseaux spatiaux, voilà, il y a un peu de shoot'em up, donc ça a l'air plutôt sympa. Voilà pour Hardcore Mecha, donc le 14 octobre sur l'eShop. Autre jeu qui sort aussi sur l'eShop, c'est Cloud Punk, déjà sorti sur PC en début d'année, et donc en gros, pour la faire courte, c'est Cyberpunk 2077, mais en version indé. Voilà, donc là, vous contrôlez aussi une espèce de taxi futuriste ou voilà d'une espèce de voiture futuriste dans ce monde et donc vous devez conduire les gens d'un point à un autre. Un jeu donc aventure narration, c'est édité par Merge Games et c'est développé par Yonland. Ça sortira donc le 15 octobre prochain sur l'eShop au prix de 19,99€. Il avait eu des très bons retours quand il est sorti sur PC. Donc voilà, il avait l'air super sympa. Il est très stylé, ouais, ça fait très Blade Runner. Moi je trouve vraiment, il est stylé, hein, avec les néons et tout, je trouve ça vraiment très très stylé. Donc voilà, ça a l'air plutôt sympa. Autre jeu qui sort aussi cette semaine, Prini 1 et 2. Les deux Prini, ouais, voilà. Ce jeu. Il faut savoir qu'aux US ils ont eu une collection avec tout réuni dans une seule même cartouche. Chez nous il n'y aura pas de version boîte déjà et les deux sortent séparément sur l'eShop. C'est le même prix, hein, de toute façon, c'était même plus cher en boîte aux US, il me semble que c'était $50. Et du coup, là, vous pouvez avoir les deux pour 40 si vous achetez séparément à 20 et 20. C'est un jeu de plateforme. Ouais, c'est ça, plateforme, aventure, un peu de combat. Ça sortira donc. Il est hyper dur, hein. Moi, j'ai arrivé en premier, c'est abusé. Hein. C'est du jeu hardcore, hein. C'est pour les gros fans. C'est hardcore, ouais. Très bien, en tout cas, je sais que c'est la licence fétiche de Nippon Ishii Software, hein, parce que quand tu vas sur leurs réseaux sociaux, il n'y a que ça. Donc, je suppose que c'est leur gagne-pain. C'est édité par NES America chez nous, ça sortira le 16 octobre, au prix donc de 40€ si vous voulez les deux jeux, sinon c'est 20€ chacun. Déjà pour essayer l'un et après peut-être l'autre, si vous survivez. Mm-hmm. Et voilà, donc c'est plutôt sympa. Dernier jeu à sortir, la semaine prochaine et pas des moindres, c'est Mario Kart Live Home Circuit. Donc Nintendo Labo Cross Mario Kart pour info. Donc on rappelle que c'est donc un jouet vidéo puisque vous avez un vrai kart physique que vous devez contrôler avec la console. Ça sortira donc le 16 octobre au prix de 100 balles. On le rappelle, hein, que c'est 99€ pour avoir le pack. Hein. De toute façon, il n'y a pas de version dématérialisée vu qu'il faut le kart pour y jouer. C'est édité par Nintendo, mais c'est développé attention par Velan Studio, qui est le concepteur de cette caméra à réalité augmentée. Donc c'est un jeu de course et off course. Voilà. Est-ce que ça vous tente, vous Mario Kart Live, honnêtement d'ailleurs, je crois qu'il y a quelques jours, on vient de se rappeler de l'existence de ce jeu, donc c'est pour ça que. Je sais pas. Tu l'as annoncé le mois dernier, quoi. Ben, moi, j'ai un petit appart, donc c'est ouais. Mort, je pense. Tu pourrais ça. Pas. À part faire le top même... très rapidement, ouais. C'est quand même un produit privilégié. moi, ce qui fait tiquer surtout, c'est que
C'est 100 balles, mais genre, là, j'ai vu passer tout à l'heure sur le Twitter Hamster Joueur ouais. que les Lego Mario, qui étaient à quoi, 100 balles au lancement aussi oui. Un truc comme ça, bah, tu le trouves déjà à 40. Oui, c'est ça. Alors, je me dis, bon, attendez peut-être un petit peu avant d'acheter le Mario Kart. Il y a des grandes chances qu'ils finissent de te brader assez vite. Il y a des... Ouais, c'est clair. C'est sûr. Je sens mal quand même. Oui, oui, c'est sûr. Peut-être pas au solde de janvier, mais peut-être au solde d'été. Il sera déjà dans les bacs. S'il y a des chances. Après, bon, c'est un Mario Kart, donc c'est peut-être moins facile. Enfin, je veux dire, ça doit peut-être mieux que du Mario Lego, mais bon. Ouais, c'est vrai que. Après, c'est plus un jouet en fait. Donc, oui. Oui, c'est du jouet vidéo, hein, de toute façon, c'est voilà, c'est du jeu interactif. Ouais. Je pense à Noël, ça va bien partir. Oui, oui, c'est. Il y a des chances quand même. C'est Noël avec ça. Ouais. Ouais, mais c'est clair. Hein. Par contre, moi, je pense quand même à la famille. Imaginons une famille avec deux enfants qui veut la Switch plus genre ce nouveau Mario Kart parce que c'est la nouveauté et que les enfants le veulent. Ça fait un sacré budget quand même. Cher, hein. Ouais. Ça reste quand même moins cher que la PS5 avec des jeux. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc on va choisir peut-être vaut mieux Mario Kart. Mais ouais, à voir ce que ça donnera. En tout cas, ça a l'air plutôt sympa. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube de Nintendo France, ils ont mis plein de making-of pour montrer comment ils ont fait le truc. Voilà, pour comment ils ont géré la batterie, tout ça. Bref, donc c'est plutôt sympa avec les développeurs et tout ça. Voilà pour ceci. Dans le reste des sorties, notamment une sortie qui concernera le 30 octobre, c'est Pikmin 3 Deluxe, qui a eu le droit aussi à un tryhouse comme Hyrule Warriors, qu'on va pas débriefer parce qu'honnêtement, c'est le même jeu hein, que celui sorti sur Wii U. Et ils ont montré un petit peu les nouveautés de la nouvelle campagne, plus l'intro du jeu. Donc voilà, bon, il n'y a pas non plus grand chose à dire là-dessus. Mais quand même, une chose à dire, c'est qu'il y a une démo disponible dès maintenant sur l'eShop. Donc si vous voulez faire une petite idée de ce que c'est Pikmin, si vous n'y avez jamais joué auparavant, et ben voilà, il y a une démo pour Pikmin 3 Deluxe sur Switch qui sortira, on rappelle, le 30 octobre. Voilà, donc ça peut permettre peut-être de vous faire un petit avis. D'autres sorties annoncées cette semaine, notamment celle de Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Donc c'est dans la lignée... du précédent Need for Speed, je sais plus lequel c'était déjà, c'était... Comment il s'appelle ? Paradise ? Heat et Payback, je crois, un truc comme ça. C'était pas Paradise ? C'est Burnout, ça. Ah. C'est Burnout. Je crois que c'est Need for Speed Heat. Il me semble aussi. Mais c'est compliqué en même temps, parce qu'ils n'auraient pas arrêté de reboot leur série. Mais c'est ça, en fait, le truc, c'est que ils ont vu que le Need for Speed original a un peu bidé il y a deux ans, je crois, ou trois peut-être. Un peu beaucoup bidé, parce qu'il y avait beaucoup d'achats in-game, en fait. Donc c'était un peu... ça passait un pas trop. Mais voilà, du coup, ils essaient de faire des remasters en ce moment. Je sais pas où ça va mener, mais bon... En tout cas, ils les font. Du coup, nouveau... Je tiens à signaler, je parle d'une force vide, la prouesse incroyable que c'est un jeu Electronic Arts oui. sur Switch. Oui. Et il n'y a pas de douille, il n'est pas plus cher que les autres versions. Ah. Il y a toutes les features, il est crossplay et tout. Je crois qu'il a 40 balles, tu peux être le préco, je crois. D'accord. Alors qu'on se souvient de Burnout Paradise Remaster qui sortait à 50 balles sur Switch, oui. quand sur les autres plateformes il était à 10 ou 20. Là, il n'y a pas de douille. Donc voilà. Je crois qu'il sort une semaine après les autres, mais bon, c'est pas grand-chose. Oui, cool. Il n'y a pas de douille pour une fois. Oui, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Mais du coup, voilà, Need for Speed Hot Pursuit Remaster sortira le 13 novembre sur Nintendo Switch et sur les autres plateformes. Hein. Donc il sort une semaine après, je crois, les plateformes PS4 et Xbox One. Donc voilà, ça sort. Donc jeu sorti, on rappelle, en 2010 hein, et qui se fait remasteriser 10 ans après. Voilà. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Mon perso, je suis pas la cible, je pense. Voilà. Il faut aimer les jeux de voiture, en fait. C'est ça. Faut aimer les bonbons. Oh. À pas cher, pourquoi pas. Ouais. Un back solde, pourquoi pas. Est-ce que Tiffany ne serait pas notre expert vroom vroom, là ? Qu'est-ce qu'elle pense de Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Quoi? Expert. Non. Ah, attends.
Non, je sais que t'étais plus experte chouchou les raseux il y a quelques années, non? C'est vrai. C'est vrai, chouchou les trains. Mais... Un simulateur de train qui atterrit gratuit sur GS il y a 3 semaines, là. Oui. Vous n'avez pas pris, vous avez raté votre vue, c'est tout ce que j'ai dit. Pour le coup, Need for Speed, j'ai pas touché depuis au moins la PS2. Ouf, oui, pareil, hein. Ah ouais, ouais, pareil, hein. Je crois que c'est... Ouais, ça doit être pareil. Eh ben, c'était sur Xbox, moi, la dernière fois que j'y ai joué, sur la première Xbox, donc c'est pour vous dire, ça fait une paire d'années. Voilà donc pour Need for Speed Hot Pursuit, mais avant ça, il y aura un jeu, moi, que j'attends beaucoup, voilà, parce que ça a l'air juste mignon au possible, et que même si ça a l'air assez déchirant aussi, c'est The Red Lantern. Jeu dévoilé lors d'un Indie Showcase, Indie World, je ne sais quoi, l'an dernier, qui était prévu en 2019, mais qui a été repoussé parce que problème de développement, voilà, fallait plus de temps, et après le Covid, et bref, bon, on connaît la suite. Et donc The Red Lantern, on rappelle que c'est un jeu où on contrôle des chiens de traîneau, tout simplement, en Alaska. Et donc il faut survivre dans ce monde hostile avec rien du tout, il faut trouver soi-même ses ressources, faire attention aux ours et aux caribous qui sèment notre chemin. Littéralement, il y a vraiment des caribous. Hein. voilà. Et ça a l'air super cool. Voilà. Et en plus, on peut pet the dog. Donc forcément, c'est trop bien. Voilà. Donc The Red Lantern sortira le 22 octobre sur Nintendo Switch et sur l'Epic Game Store sur PC. Il sortira un peu plus tard sur Xbox One également, pour, si vous voulez, sur une autre plateforme. Donc voilà, moi perso je l'attends et il sortira normalement je crois pour une 20aine d'euros. Donc voilà, c'est tout. Je vous propose de faire une petite pause musicale, le temps de se rafraîchir et de se changer les idées. Pause musicale, évidemment on va parler du gros sujet de cette semaine, évidemment Minecraft, et on vous met du Smooth Mac Groove parce que ça fait longtemps qu'on en a pas mis et que c'est quand même l'un des tauliers des remixes sur YouTube, hein, faut pas se le cacher. Cette fois-ci, ça va être avec Wet Hands, donc voilà, qui a été remixé il y a un peu moins d'un an, donc voilà, c'est l'une de ses dernières qu'il a fait. Et donc c'est tout de suite sur Génération Nintendo. Restez avec nous dans un instant, on va parler de FIFA 2021, pardon, et on va parler du Joy-Con Drift qui est sous les coups de la justice. À tout de suite. Bum 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 b
De retour sur Génération Nintendo pour la suite de notre émission. On va donc continuer à parler de l'actualité du jeu vidéo. Voilà, avec cette équipe. Après cet épisode, cette OST de Minecraft interprétée par Soundmagroove, très reposante, hein, l'OST de Minecraft. Vraiment, si vous voulez vous faire une après-midi chill, relax, chill, and, je ne sais plus comment on dit, bref, voilà. Truc comme ça, c'est vrai que ça passe plutôt bien du Minecraft. C'est plutôt sympa si vous voulez étudier en même temps ou si vous faites un autre truc, c'est plutôt reposant. C'est vrai que ça passe bien pour étudier. Ça passe plutôt pas mal. On enchaîne donc l'émission, écoutez, avec le Trolltendo. Cette semaine, le Trolltendo, eh bien, nous allons parler de FIFA. Pourquoi est-ce qu'on parle de FIFA? Et pas parce que déjà, il vient de sortir sur Nintendo Switch. Et comme d'habitude, eh ben c'est une prouesse technique, hein, évidemment, de sortir FIFA sur Nintendo Switch, vous allez le voir. Et vous le savez, dans cette émission, eh ben, chaque année, on se plaint un petit peu du traitement de Electronic Arts face à la Switch, et notamment du traitement de FIFA sur Nintendo Switch. Et pour avoir testé FIFA 2019, et bah non, pas 2020, mais pour avoir testé FIFA 2019... Non, on a testé aussi FIFA 2020, pardon... à l'E3 à Kanozu, je crois. C'est lequel qu'on a testé déjà à Paris? C'était pas l'E3 2000... Attends. C'était l'E3 2019. Donc c'était... Ouais, du coup, c'était le 20. C'était testé le 20. Ouais. C'est ça. C'était FIFA. Et voilà. Pas terrible. C'est ça. Mais c'est ça. C'était FIFA, mais en pas terrible. Je pense que ça résume plutôt pas mal. Parce que, en fait, ce qui nous frappait surtout, c'est que bah, d'une année à l'autre... Il n'y avait pas trop de changements. Entre FIFA 19 et FIFA 20, bah, on ne voyait pas trop de décalage. Et il se trouve que bah, les sites internet commencent un petit peu à en avoir marre de faire des tests sur des jeux qui se ressemblent. Et IGN a tapé un petit peu du poing cette semaine en faisant son test avec la version Switch. Le site d'actu a donc décidé de copier-coller littéralement le test qu'il a réalisé l'an dernier pour FIFA 2020 sur Switch. Étant donné que, je cite, cela fait 2 ans que Electronic Arts copie-colle le même jeu pour la version Switch. Voilà, donc c'est plutôt légitime. Hein, voilà, c'est, quand il n'y a pas de boulot, bah, on récompense pas quand il n'y a pas de boulot. Hein. Mais du coup, ils ont quand même mis un petit malus parce que le jeu a passé sa note de 3 sur 10 à 2 sur 20. À 2 sur 10, pardon. Donc il a perdu un point au passage. Mais clairement, dans leur vidéo review, ils sont vraiment pas tendres. Ils disent que c'est du foutage de gueule et que c'est vraiment prendre les fans pour des cons. Mais le jeu, en fait, c'est le même jeu, en fait. Ah, mais c'est le même jeu. Changer le chiffre. C'est ça, en fait. En fait, mais... le truc, c'est que c'est même... Vas-y, pardon, Kanozu. Non, j'allais faire une vanne nulle. J'allais dire que bah ils se mettent un peu dans l'embarras. Parce que là, du coup, l'an prochain, il aura 1. L'année d'après, il aura quoi? 0. Et après, ils feront quoi? Moins 1. Ça serait marrant. Mais du coup, est-ce que les studios Electronic Arts ont cette information qu'ils devraient faire attention alors les prochains jeux ou pas? Alors, le truc, c'est que Electronic Arts est au courant qu'ils donnent le même jeu chaque année. Parce qu'en fait, sur la fiche produit de FIFA 2021, il est écrit en noir sur blanc, FIFA 2021 possède le même gameplay que FIFA 2020, sans ajout de développement et sans approfondissement. Littéralement. Mais ils sont honnêtes au moins. Voilà. J'avoue, ils sont honnêtes. C'est sur leur site. C'est Fry, oui. Mais après, ça fait 15 ans qu'elle existe, cette pratique. Oui. Oui, ah, mais... C'est jusque maintenant, ils appellent plus ça les Legacy Edition, mais les Legacy Edition sur PS2. FIFA, il y a eu sur PS2 jusqu'en 2015. C'est vrai. Sauf que sur PS2, ils n'allaient pas faire des nouveaux jeux. C'était le même tout le temps, avec juste une modification des joueurs, tu vois. Non, mais quand même... Enfin, je veux dire... La version PS2 de FIFA, elle est quand même restée très longtemps, je suis d'accord. Mais du coup, là, on est quand même sur Switch, sur une nouvelle console, techniquement, sortie il y a à peine 3 ans. Enfin, je trouve ça quand même fou de réserver un traitement pareil à une aussi grosse puissance. Mais moi, je pense qu'ils sont juste partis du principe que les gens, ils jouent pas sur Switch à FIFA, tu vois. Bah, qu'ils jouent pas sur Switch, parce que la version, il y a chier aussi, après, mais... Bah, aussi. Après, c'est dommage, ouais, parce que c'est quand même sympa, je pense. Si elle était bien, ils joueraient, hein. Bah, de la fainéantise. Pas de la fainéantise, c'est plutôt... Si tu joues, c'était quoi le truc qui arrivait en premier? Mais je pense qu'en vrai, les gens jouent pas plus que ça à FIFA sur Switch. Les gens qui jouent à FIFA, ils ont une autre console, tu vois. Oui, ils ont une PS4, sûrement. Ouais. Sûrement, mais... C'est dommage. Voilà. Mais, c'est...
Ouais, enfin, c'est quand même fou parce que du coup, ce commentaire de FIFA 2021 possède le même gameplay que FIFA 2020. Bah, on le retrouve aussi sur la fiche produit de FIFA 2020. C'est marqué FIFA 2020 possède le même gameplay que FIFA 2019 sans ajout de développement et sans approfondissement. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est vraiment le même jeu depuis 2 ans. C'est des mises à jour en fait. C'est des updates. Même pas parce que en fait, ce qui change juste, c'est donc l'écran titre et les bords du terrain. C'est marqué FIFA 2021 sur les bords du terrain quand vous jouez. Bah, écoute, c'est une mise à jour. En développement, si mon outil, je change juste le titre, je peux dire que c'est une version 1.1, 1.2. Oui, c'est vrai. Là, ça coûte 50 balles dommage. Voilà, c'est ça. Juste pour changer le titre. Donc voilà, et du coup, bah, comme EA ne se foule pas la cheville, et bah, nous, on va pas se fouler la cheville. Le trailer, vous voyez actuellement, c'est le trailer de FIFA 2019. Donc voilà. Je suis pas allé chercher celui avec Kylian Mbappé, hein. On va pas se faire chier. Hein. Donc voilà. Déjà qu'ils sont puchés pour leur jaquette face ou paint, alors bon, voilà. Et ouais. Le FIFA 2017, c'était déjà sur Switch, c'était déjà une version Legacy. Il y avait FIFA 2017 Bah non. C'est possible. Sur 18, du coup, ça a commencé avec ça, je crois. Peut-être, ouais. Non, je crois qu'il y a eu un portage de 2017 au début de la console, hein. Non. Ah, il y a moyen. Peut-être, oui. C'est vrai que c'est possible. Ouais, ça. Cas, c'est... La première version dessus, c'était déjà une version Legacy, hein, je me souviens. Non, je pense qu'au tout début, ils faisaient encore des vraies versions pour la première, au moins. Je me souviens qu'ils en avaient parlé, que ouais, c'est une version faite pour la Switch. Après, ils en ont marre. Ils ont arrêté. Ouais. Bah, tu te souviens pas. À la conf Switch, Andrew Wilson qui est venu à un moment, il a dit oui, il y aura FIFA, mais ils ont jamais dit que c'était le vrai FIFA. Tu vois, ouais, mais genre, je crois que le premier qu'ils ont sorti sur Switch, genre celui de cette fin d'année là, tu vois, c'était un vrai, genre avec les options et tout. Et genre, ouais. Je me souviens qu'ils avaient parlé qu'on a fait un FIFA exprès pour la Switch. Non, le premier FIFA qui est sorti, c'est FIFA 18. D'accord, c'était celui-là qui était un vrai FIFA et après ils ont abandonné, ils ont fait des copier-coller. Bah oui, parce que du coup, ah oui, je m'en souviens même, parce qu'en fait FIFA 18 était sorti juste avant le transfert de Ronaldo dans une autre équipe et du coup ils ont dû changer la jaquette en fait, je crois. Et du coup, bah, ceux qui ont l'ancienne jaquette, bah, les collectors, et ceux qui ont la nouvelle, et bah, elle est normale. Parce que du coup, je sais plus, il était passé du Barça, je crois, en Italie. Enfin, il est parti en Italie. Je crois qu'il est passé du Real à la Juventus. Ouais, oui, voilà. Bah, je te fais confiance, je suis nul en foot. Mais du coup, voilà. Et du coup, ils avaient dû changer la jaquette. C'est bien, ça me rappelle quelque chose. Donc voilà. Et voilà. Bah, c'est tout. Du coup, j'ai rien d'autre à rajouter. Donc, du coup, 2 sur 10 pour FIFA 21 sur Nintendo Switch. Et bah voilà, achetez-le en amélioration, hein, mais franchement, après c'est vrai qu'en autre jeu de foot sur Switch, bah, y a pas grand chose, hein, pour l'instant, sauf si Nintendo sort un Mario Football, un de ces 4. Il y a rien en fait, ouais. Donc j'y pense, y a pas PES, du coup ce serait un marché pour PES, Y a même pas Inazuma Eleven, il est repoussé depuis 5 ans, alors... Il y a Captain Tsubasa qui vient de sortir. C'est vrai, ah oui, bah du coup n'en prenez Captain Tsubasa, non, y a pas photo là, hein. Là, c'est sûr. On reviendra sur les jeux de foot tout à l'heure. On va vous faire quelques recos de bons jeux de foot rétro et actuels. Hein, vous allez voir. On reviendra là-dessus dans un instant. Pour l'heure, on va parler d'autres choses. On va parler du Joy-Con Drift. Hein. C'est une affaire que l'on suit, que l'on traîne, hein, comme Nintendo depuis quelques années maintenant. Joy-Con Drift, vous le savez. C'est donc cette fameuse déformation du Joy-Con, hein, c'est-à-dire que bah, vous avez beau poser la manette à plat sur une table, et bah, le joystick continue, enfin le personnage à l'écran continue de bouger alors que le joystick est droit. Bref, c'est un gros problème qu'ont les Joy-Con depuis leur début. On rappelle donc que fin septembre, UFC Que Choisir a déposé plainte contre Nintendo pour obsolescence programmée. Donc voilà, il y a une action en justice en France. Même si, bon, on connaît ce genre d'affaires, honnêtement, si ça passe, si ça aboutit à quelque chose, ce sera un petit miracle, hein, clairement. Mais bon, l'espoir fait vivre, comme on dit. Donc, voilà. Mais du coup, en plus de ce procès en France, Nintendo fait aussi face à 2 procès aux États-Unis. Le premier, c'est un recours collectif mené par un cabinet d'avocats qui ont eu plusieurs plaintes de joueurs en même temps. Et du coup, ils se regroupent pour faire une seule et même audience, entre guillemets. Et donc ils veulent essayer de faire plier Nintendo face à ces problèmes techniques connus, hein, et reconnus par Nintendo, en plus excusés de plusieurs fois. Réponse de l'avocat de Nintendo of America. Alors je pense que c'est très schématisé, je n'ai
pas lu le rapport complet du procès, hein, mais c'est un peu ce qui est revenu un peu partout. Pour l'avocat donc, de Nintendo of America, le Joy-Con Drift n'est pas un vrai problème et n'a pas causé d'inconvénient aux joueurs. Bon, on va pas se cacher que perso, je le prends très mal parce que j'ai un Joy-Con qui vient de me filer entre les doigts il y a quelques semaines à cause de ça. Ouais, c'est ça, c'est une class action, comme a dit Otaxan. C'est ça, ouais, exactement, c'est une class action. Alors, c'est aux États-Unis le class action. Ouais, oui, ça existe pas en France. Ouais, ça marche. En France, il n'y a pas ce genre de truc. C'est pour ça qu'il passe du coup par l'UFC que choisir. Tout à fait. Tu peux pas le faire en France. Enfin, il n'y a pas le système de class action, c'est un truc vraiment américain. Ouais. Okay. Par chez nous, il faut passer donc du coup par une association ou par une institution. Voilà, pour faire un truc regroupé. Donc voilà, du coup, c'est une phrase qui fait beaucoup réagir hein, au sein des joueurs. Vous avez été victime de Joy-Con Drift, vous, Copan, Kano, Fry Oui. 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 Malheureusement, oui. C'est très mal. Je connais personne qui n'en a pas eu. Ok, Fry. Moi, j'en ai pas eu. Oh, non, jamais. Pardon, on m'a contredit direct. Oulala. Là là. Switch de 2017 en plus, première heure. D'accord. Je jamais eu. Ah, ok. Très bien, bah, arrange. Vas-y. Je l'ai arrangé moi-même, pas de problème. Enfin, parce que voilà, j'ai acheté le produit que tout le monde a acheté, le petit nettoyant à 5 balles à l'abricot. Oui, c'est le fameux Louis D40 qui a un nettoyant contact. Comme ça, tu sprays un peu. Parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, le Joy-Con Drift, c'est tout simple. C'est parce que les Joy-Con, c'est mal foutu comme manette. Et du coup, il peut y avoir de la poussière qui s'incruste sous le ruban qui tient les sticks du Joy-Con. En gros, c'est la poussière et du coup qui frotte entre le mouvement du stick et le stick lui-même. Et du coup, ça fait déconner la manette. Et du coup, le problème est réglable simplement en mettant un peu de ce liquide nettoyant sous le ruban du Joy-Con. On a un tuto sur GN pour ça. Genre, je sais que c'est un des tutos les plus populaires qu'on a sur GN, ce qui témoigne un peu de la question le problème est répondu. Et du coup, voilà, c'est un problème qu'on peut régler soi-même. Si vous voulez pas vous faire chier à racheter des manettes à 80 balles ou 70 balles, je ne sais plus, très cher en tout cas. Et je pense que c'est pour ça que les gens se plaignent pas tant que ça du Joy-Con Drift, parce qu'il est arrangeable soi-même. Alors, bon, je te confirme que c'est 80 balles. Après, moi, je pense que je l'ai pas uniquement parce que j'y joue pas tant que ça. Je joue au Pro Controller, en fait, souvent. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas ça sur le contrôleur du coup. Alors après, du coup, je passe sur la télé aussi maintenant. Je joue moins en mode portable à cause de ça. Ouais. Mmh. En fait, je jouais quasiment en mode portable avant Animal Crossing. Maintenant qu'Animal Crossing, des fois, ça m'arrive. Et sinon, vu que j'utilise beaucoup le Pro Controller, des fois, j'ai l'impression que le stick gauche du Pro Controller, il dérape un peu. Ah ouais. Ouais, carrément. Mais après, c'est pas du tout au niveau du Joy-Con Joy-Con Drift, donc en fait ça va. Ça. Alors du coup moi je peux vous le montrer, je suis allé chercher mes manettes. Comme vous pouvez le voir, du coup là c'est le Joy-Con gauche. Donc vous allez le voir, ici il s'allume. Hop, pardon. Tac, vous voyez, il s'allume tranquille. Voilà, il se connecte et tout. Celui-là il va très très bien. Et du coup le Joy-Con droit en fait ne s'allume pas du tout. Ah bah là il vient de vibrer, je sais pas pourquoi. Il a vibré. Bon, il a vibré, mais vous voyez, il s'allume pas du tout sur les côtés, en fait. Et quand je décroche de la console, non seulement il passe en batterie très faible direct, voilà, genre comme s'il n'avait pas du tout de batterie, et il ne se connecte pas s'il n'est pas connecté à la console, enfin directement relié à la console dockée. Voilà. Donc, ça devient impossible. Par exemple, moi, je joue un petit peu à Ring Fit, et bah c'est impossible de jouer à Ring Fit avec ça. Voilà. Donc, c'est super. D'ailleurs, je sais plus pourquoi, mais même docké, en fait, la batterie devient très faible et du coup, ça pompe toute la batterie de l'écran. Donc du coup, la console, bah, elle a plus de batterie au bout de une heure ou deux, alors que normalement, elle fait plus. Foutu. C'est ça. Non, mais c'est clair. Je pense que je sais pas si je vais les faire réparer ou pas, mais bon, on verra. Et du coup, bah, j'ai acheté ces deux nouveaux. Voilà, les Joy-Con orange et violet. Donc pour info, ça coûte 80 balles. Hein. Voilà, c'est quand même pas rien. Donc heureusement, il y avait mon anniversaire il n'y a pas longtemps, donc j'ai utilisé l'argent de mon anniversaire. Donc ils sont très beaux. Voilà, ils sont vraiment très très beaux, voilà, je tiens à dire. Ils sont trop chers, les manettes. Ouais. Mais c'est exorbitant. Hein.
C'est exorbitant. C'est le numéro 1 de la Switch. Donc, c'est manette. Clairement, là, moi, j'ai gardé le ticket de cash. J'espère que ça va pas me faire encore un problème comme ça. Hein, parce que je serais prêt à faire une action en justice aussi. Et d'ailleurs, ouais, pour, justice... revenir. Oui. Pour revenir pour apporter, hein, sur l'action de UFC qu'on avait parlé. Je sais pas si on avait parlé. Du coup, on n'a pas parlé de l'action de UFC. Non. Dans les NTS d'avant, non, je crois pas parce que c'était, je crois, le fin septembre. On est pas sur les détails, on n'a pas parlé. Et du coup, voilà. Donc, l'UFC Que Choisir, qui donc la société de consommation, des consommateurs, pardon, qui est représenté des clients français par rapport à Nintendo et ses problèmes de Joy-Con, avait fait en fait. Je me souviens d'avoir lu des articles très intéressants sur Game Cult, notamment sur pourquoi est-ce que l'action du UFC Que Choisir. Ne mènera à rien. C'était une action très similaire sur le Joy-Con Rift, mais en fait, il prétendait que du coup, c'était de l'obsolescence programmée, c'est ça. Qui est un concept très nébuleux, hein, parce que c'est jamais quelque chose qui a été prouvé, bien sûr. Ni qui a une concrète existence. Enfin, il n'y a personne qui peut dire qu'il a un produit à l'obsolescence programmée. Mmh. Et du coup, voilà, les plaintes sur ce fondement, en fait, elles sont extrêmement rares parce que la loi ne couvre rien. Et il n'y a aucun précédent juridique. Il n'y a aucune jurisprudence à ce sujet. Enfin, ce serait du suicide en plus de plaider ça, en fait. Et du coup, c'est intéressant qu'ils aient choisi de plaider ça. Parce que du coup, la plainte est 100% foirée pour l'UFC Que Choisir. Voilà, enfin, c'est un inédit, ça va faire jurisprudence. Mais ce serait... Une chance sur un million que ce soit l'affaire qui dit « Ah, l'obsolescence programmée, c'est bon, on valide ça. » Mais pas contre les iPhones qui pètent au bout d'un an. C'est ça. Moi, j'y crois pas trop. Mais elle n'a aucune chance d'aboutir. Mais par contre, du coup, c'est plus intéressant du côté américain parce que, du haut de mon expertise de 4 ans de droit, oui. Mais vas-y. Je peux vous dire que la réponse de l'avocat des Nintendo of America, elle est pas terrible quand même parce que c'est le truc le plus facilement prouvable au monde qui a des vrais problèmes de Joy-Con Drift. Bien sûr. Tu demandes à des témoignages en ligne, t'en as des milliers, des milliers. C'est ce qu'ils ont fait. Je rebondis. Le recours collectif, du coup, les avocats ont demandé aux joueurs de leur envoyer des vidéos montrant les problèmes du Joy-Con Drift et comme quoi les manettes jouent toutes seules ou que les problèmes qu'il y a. Quoi. Et là, ils attendent donc, les témoignages jusqu'à mi-octobre, je crois, un truc comme ça. Bah, c'est vraiment ultra facile à prouver. Donc, c'est possible que du coup, du côté américain, ça bouge un petit peu. Et si ça bouge du côté américain, ça bougera forcément par répercussion partout ailleurs. Après, le problème, c'est que voilà, les recours collectifs, il va y avoir appel, il va y avoir contre-appel. C'est ça. Ça va prendre du temps, à mon avis, on n'aura pas de réponse sur l'ère de la Switch, en fait, ou alors peut-être à la toute fin. C'est ça. Ça risque pas de bouger du point de vue consommateur, mais peut-être qu'il y aura des sanctions qui devraient être prises. Non, mais c'est possible, hein, on verra bien, mais oui, comme tu l'as dit, ça va prendre des mois, encore des années, parce que l'administration et la justice est quand même... assez longue, hein, faut le dire, hein, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup d'affaires et voilà, c'est pas la seule affaire qu'il y a dans le monde et encore moins aux États-Unis. Donc voilà, un autre procès qui est aussi intéressant et qui a fait réagir, c'est un enfant de 9 ans qui a décidé de porter plainte avec sa mère, parce que bon, il peut pas porter plainte comme ça, hein, un enfant de 9 ans, mais avec sa mère, ils ont décidé de porter plainte et pour cause de Joy-Con Grift. En gros, la famille a acheté une Switch en fin 2018. Les Joy-Con sont tombés morts au bout de 6 mois. Bon, ils ont fait jouer à la garantie très certainement pour les changer. Ils les ont changés au bout de 6 mois. Les nouveaux sont retombés en panne au bout d'un mois. Ils les ont rechangés, rebolotes, re-problèmes et re-panne. En gros, les mêmes, pareil, Joy-Con Drift ou d'autres. Donc quand même, sur 3 paires de Joy-Con, ils n'ont pas eu de chance. Ils sont tombés sur 3 modèles qui ne marchent pas. Du coup, ils portent plainte... pour je sais pas quoi, mais ils portent plainte. La famille réclame 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Alors bon, je pense que c'est une somme, on va dire, comment dire, un peu coup de poing, voilà, pour faire parler du truc, mais honnêtement... En fait, c'est très intéressant comme affaire, je trouve. Mm-hmm. Ça fait directement écho à la très fameuse affaire du café de McDonald's, qui est du coup une véritable jurisprudence. Et lui, à mon avis, c'est pour ça... qu'ils ont choisi de plaider, je pense que c'est aux États-Unis. Hein. Oui, aux États-Unis. Et du coup, la fameuse affaire du café McDonald's où une vieille dame s'était fait renverser un café du McDo très cher qui a brûlé la peau et qui a demandé pas loin de,
je crois, 500 000 dollars. D'accord. Non, même plus, c'était genre 3 millions ou quoi, oui, quelque chose comme ça. D'accord. Elle a demandé énormément, et du coup, le tribunal lui a donné raison, en fait. D'accord. Après, légère baisse de l'amende, mais elle a quand même empoché plusieurs centaines de milliers de dollars pour brûler la peau par du café de McDonald's. Et à mon avis, du coup, voilà, la jurisprudence est là. À mon avis, c'est ça qu'ils vont essayer de faire jouer. D'accord. Et du coup, là aussi, ça fait parler, parce que 5 millions, évidemment, c'est déraisonnable. Voilà, ils vont jamais recevoir 5 millions. Non. Non. Mais le but, c'est de voilà, d'assurer une grosse somme, comme ça on peut la faire baisser après, et avoir quand même une grosse somme au final. Ouais, c'est la technique, ça. Et c'est intéressant, parce qu'il y a, contrairement aux actions de chez nous, malheureusement, qui n'ont aucune chance d'aboutir, là-bas, par contre, aux États-Unis, se joue vraiment, il y a de vrais enjeux par rapport au Joy-Con Drift. Non, mais complètement. C'est juste que le système de loi en France permet pas de faire ça, en fait. Bah, oui, je dirais plutôt que l'UFC a mal choisi son angle de plainte, en fait, surtout. Ouais, oui, peut-être. Oui. Selon toi, ils auraient dû plus faire quoi sur le dommage économique des gens ? Du haut de ma grande expertise, je suis pas encore avocat, je pense qu'ils auraient dû plaider des problèmes de masse, en fait, comme aux États-Unis, pas l'obsolescence programmée, parce que ça n'a vraiment aucun intérêt. Ouais. Parce que pour l'obsolescence programmée, en fait, ça veut dire qu'il faut prouver que Nintendo savait qu'il y avait un défaut de Joy-Con, n'a jamais décidé d'y remédier, et que la panne soit vraiment fréquente dans chacun des Joy-Con. L'obsolescence programmée, c'est-à-dire que le Joy-Con, il est programmé pour se casser. C'est ça. Et en fait, qu'il y a quelque chose d'intentionnel aussi derrière. Ça, il faut que... Ça veut dire que... Enfin, la plainte avait plus de sens quand il l'a balancé à Apple pour les batteries qui se vidaient. Oui. Ça n'est quand même pas passé. Mais voilà, ça veut dire qu'il faut prouver que Nintendo volontairement ait mis en sorte que ces Joy-Con lâchent au bout de 6 mois, ce qui n'a aucun sens parce que c'est clairement, ça c'est pas le cas chez tout le monde. Il y a des Joy-Con qui marchent très bien au bout de 3 ans, il y en a qui marchent pas au bout d'un mois. C'est clairement un problème de pièces défectueuses ou d'assemblage, mais du coup c'est absolument pas l'obsolescence programmée. C'est pour ça que c'est mort. Et qu'ils auraient dû plutôt jouer sur les défis de déficit produit, c'est pas au standard de la compagnie, ce genre de truc. Beaucoup plus intéressant. Et tous les dommages et intérêts de fait de, du coup, je peux pas jouer pendant un moment, mon fils, il est troublé psychologiquement, c'est chiant de devoir aller l'échanger, ma batterie, j'ai plus en garantie, donc ça coûte 80 balles, tout ça. Juste, pardon, pour revenir sur l'affaire donc, de cet enfant de 9 ans et de sa mère qui porte plainte, il porte plainte estimant que Nintendo est conscient de ce problème non résolu. Il faut savoir aussi qu'aux USA, contrairement en France, aux USA, Nintendo of America a décidé de prendre en charge tous les Joy-Con défectueux. Normalement, un Joy-Con défectueux en garantie actuelle, il peut être réparé par Nintendo of America gratuitement. C'est ce qui est en tout cas ce qui était prévu dans les premiers plans. Je ne sais pas si ça a changé depuis avec le temps, avec le Covid, tout ça. Mais normalement, dans les premiers plans, c'était ça. Il faut savoir aussi qu'aux USA, une entreprise doit forcément alerter obligatoirement les consommateurs si une information altère la valeur d'un bien. C'est-à-dire que si l'entreprise est au courant qu'il y a le Joy-Con Drift, elle doit le marquer sur les emballages de la manette. Si elle ne le fait pas, elle est dans l'illégalité. C'est une loi qui est aux États-Unis, donc là-dessus, peut-être que Nintendo pourrait se faire taper sur les doigts. Parce qu'ils sont conscients, ils sont même excusés à plusieurs reprises sur les problèmes de Joy-Con. Voilà, ils pourraient potentiellement. Je dis bien, c'est de la supposition, bien sûr. Voilà, pour ces affaires de Joy-Con Drift, qu'on aura bien sûr l'occasion de revenir et de traiter dans les prochaines émissions. Je pense que ça va nous durer pendant la fin de la génération de la Switch. Si ce n'est plus, parce que ça va sûrement durer. Donc voilà, on verra bien où est-ce que ça aboutira. On a hâte de voir ça en tout cas. Passons à une note un peu plus légère. On va vous recommander des bons jeux, des très bons jeux peut-être. C'est parti donc pour les jeux des gêneurs. Jeux des gêneurs, ce soir on vous propose des bons jeux de foot. Voilà, parce que ça existe. Oui, il n'y a pas que FIFA dans la vie et PES. Il y a des bons jeux de foot. On va commencer avec toi, Kanozu. Toi, qu'est-ce que tu nous recommandes comme bon jeu de foot ? Alors, bon, mon expertise des jeux de foot ne va pas très très loin. J'ai passé mon temps sur un jeu de foot filé avec des Kellogg's quand j'avais 6 ans. Très bien. De céréales. Et je m'en souviens.
pas, donc je peux en parler. Non, par contre, j'ai joué à beaucoup de Inazuma Eleven sur DS, qui sont donc des RPG football, où donc tu fais des matchs de football, et mais c'est un RPG tactique, donc tu bouges tes personnages sur l'écran tactile, et ils ont chacun des compétences que tu peux activer, genre quand ils se rencontrent, t'as une compétence, un méga dribble avec des effets dans tous les sens, t'as des tirs super puissants, t'as les stats sur tous les joueurs, tu peux grind de l'XP, farmer, il y a des niveaux. Bref, c'est un RPG complet. Il y en a eu beaucoup, beaucoup. Genre, il y en a 3 sur DS, 4 sur 3DS, il y en a un sur Wii, il devait y en avoir un sur Switch, mais bon, vu comme c'est parti, je pense pas qu'il y en aura sur Switch. Et c'est des jeux que j'aime bien, c'est très populaire à l'époque, grâce au dessin animé qui passait sur Gulli, qui passait tout le temps, c'est plutôt fun, alors c'est assez répétitif, surtout quand ils ont fait 8000 jeux, oui, bah, donc c'est un peu à chaque fois la même chose. Mais si vous cherchez un petit RPG tranquille, bon, sur 3DS du coup maintenant, il coûte pratiquement rien, enfin, ils sont tout le temps dans les bacs à soldes de 3DS. D'ailleurs, sur 3DS, il y en a 3 ou il y en a 2? Il n'y en a pas un qui n'est jamais sorti? Il y en a 2 chez nous, ils ont reporté les... Non, il y en a 3 chez nous, ils ont porté les DS, donc tu peux jouer à tout sur 3DS, donc il y en a pas mal. Ils sont souvent pour rien du tout, en fait, genre sur les shops, ils sont genre 5 balles en boutique, ils doivent être dans tous les cages. Pensais au Inazuma Eleven Go, en fait. Go Galaxy. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a la série principale, et après t'as les Go, qui sont... Il y a la suite, enfin, ils sont partis un peu dans tous les sens. Le concept est toujours le même, et c'est un bon concept, donc je recommande. Très bien, mais c'est vrai que les Inazuma Eleven, moi je les vois à chaque fois dans les bacs de soldes, les jeux sur 3DS, ils sont tout le temps, chaque année... Ils sont là-dedans, donc il y a moyen de les trouver. Pour... J'avais joué qu'au premier, moi j'ai regardé surtout l'animé, mais j'avais joué qu'au premier. J'avais trouvé intéressant. Ok, très très bien. Moi de mon côté, je vais vous recommander un jeu FIFA, mais pas un FIFA normal, un FIFA Street. Bon, après, c'est pas forcément une grosse reco, parce que c'est un jeu, on va dire, de l'enfance, adolescence. Je jouais beaucoup à FIFA Street 2 sur DS. Que j'avais acheté un après-midi dans un Cora, pour tout vous dire. Bref, avec mon argent perso. Mais bref, et du coup, je sais pas, ce jeu m'a marqué. J'y ai joué pendant des heures, alors que franchement, moi et le foot, ça faisait deux. Mais en fait, c'était la période un petit peu qu'il y avait, je sais pas si vous vous souvenez de cette série qui était foot de rue. Et je faisais du foot de rue, étant petit. Étant en primaire, je faisais du foot de rue, donc ça me rajeunit pas d'ailleurs. Et du coup, bah, ce jeu arrivait à point nommé en fait pour être un peu dans la tendance et dans tout ça. Et je me souviens quand même que c'était plutôt sympa, c'était pas non plus désagréable à jouer. Bon, c'est pas le jeu de foot de l'année ou voilà, à retenir dans l'histoire du jeu vidéo, mais voilà, c'était plutôt sympa. Sur DS, c'était plutôt cool. Donc voilà. Je sais pas si vous avez déjà pu tester les FIFA Street, bon. Jamais testé. Ok, bon, bah voilà, ça existe. Je vous le dis, ça existe. Fry, oui. J'ai testé sur PS, sur PSP en 2006. Et alors, t'en gardes un souvenir impérissable? Oui, c'était à 14 ans. Très bien. Bon, tu nous parles d'un jeu un peu plus récent, peut-être. Enfin, je sais pas s'il est plus récent, mais. Bah non, du coup, non. Non, bah non, en fait, non. Non, parce que c'est Mario Football, qui doit s'appeler Striker aux États-Unis. Ouais. Je crois qu'aux États-Unis, ça s'appelle juste Striker, je sais plus. Ah, d'accord. Enfin, bref, sur GameCube, il s'appelle Mario Smash Football. Et sur Wii, Mario Striker. Ouais. Du coup... Bah, les gens qui ont joué aux deux, ils ont souvent une préférence pour l'un des deux parce que les deux se jouent quand même assez différemment. Enfin, c'est un peu la même, mais il y a quand même des mécaniques qui sont assez spécifiques. Aux deux jeux ? Je sais. Ouais, aux deux jeux. Et je sais que souvent des gens préfèrent Mario Smash parce qu'il a un peu plus. Mario Strike, il a un peu plus des mécaniques un peu abusées, j'ai envie de dire. D'accord. Après, le jeu est sympa, c'est un jeu qui avait été remarqué à l'époque parce que c'est le tout premier jeu en ligne sur Wii. C'est le tout premier jeu qui a une connexion sur Wii. Ah oui, avant même Mario Kart Wii.
Bah oui, c'est sorti au moins 3 ans, 4 ans, je crois. Ah oui, quand même. D'accord. C'est le tout premier jeu de la Wii, hein, et les gens l'avaient acheté pour ça d'ailleurs, et je me souviens y avoir essayé un tout petit peu à l'époque, autant dire que ça déconnectait très très facilement. Mmh. Mais à part ça, bah, j'ai un très bon souvenir de l'OST, des cinématiques, avant des cinématiques qui sont plutôt stylées. Mmh. Et, mais en dehors de ça, le jeu il a un gameplay sympathique, mais il est très très facile quand vous faites le mode histoire. Vous allez très vite en faire le tour. Et je trouve qu'il est assez déséquilibré. Le niveau de difficulté, il a une progression qui est pas très linéaire. Et c'est un peu déstabilisant. D'accord. Et au début, il est un peu trop facile. Si vous cherchez du challenge, c'est peut-être pas le plus judicieux. Peut-être jouer en multijoueur. Mais du coup, je pense que c'est un bon jeu multi. Quand vous avez des potes. Bonjour Muetti sur ce genre de jeu quand même. Mmh, carrément. Donc ouais, Mario Strikers Charge Football sur Wii, c'était donc sorti chez nous le 25 mai 2007. Voilà, donc ça fait déjà 13 ans. C'est sorti dans la fenêtre, on va dire, de sortie de la Wii, c'est ça. Et du c'est coup, Mario Kart Wii, c'était un an après, il est sorti donc le 11 avril 2008. Ouais, ça. Voilà, donc un an après... après, j'ai dit 2-3 bon, c'est ça, ouais. Mais ouais, c'est dans la fenêtre de tir de lancement de la Wii, donc c'est quand même plutôt un jeu marquant, voilà. Mais en effet, c'est un très bon jeu et qu'on vous recommande. Si vous avez une Wii, le jeu est plutôt trouvable généralement dans les brocantes, genre de choses, assez facilement, ou sur le bon coin pour quelques euros, ça se trouve assez facilement. Toi, Copan, tu nous parles d'un jeu un peu plus récent qui est même sorti il y a un mois et demi. Ouais, moi je suggère Captain Tsubasa Rise of New Champions, okay. Qui est sorti en août, je crois, c'est ça fin août. Ouais. Il me semble, sur tous les supports. Alors moi, je l'ai surtout testé sur PS4. D'accord. Est-ce que tu as pris la version avec le Ballyfoot? Non, pas du tout, là. Elle coûtait 2000 balles, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça qui était à 2000 balles, ouais. Super cher. Du coup, j'avais eu des retours assez bons pour la version PS4. Du coup, j'avais testé la version PS4. Mm-hmm. Parce que la version Switch, apparemment, elle rame. Ouais. Elle rame pas mal. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un bon jeu quand on connaît bien Captain Tsubasa. Donc, en France, c'est Olivier Tom. Olivier Tom, ouais. Si on aime bien la série, franchement, ils ont bien gardé le côté. Parce que le mode histoire, en fait, ça retrace l'histoire du jeu. Ouais, la série, ouais. Ouais, voilà, et les animations sont vraiment pas mal. Et c'est un jeu qui se joue, c'est vraiment un jeu plus arcade, c'est pas vraiment un jeu de foot comme FIFA, quoi. C'est un peu plus comme un Mario Charged, quoi, avec des super pouvoirs, des super techniques, et franchement, c'est super fun. Après, j'ai pas fait le mode multi, j'ai surtout fait le mode scénario, et franchement, c'est pas mal. Moi, je suis pas un grand amateur de jeux de foot, mais franchement, je l'ai trouvé intéressant. Ok. Très bien, ouais. Captain Tsubasa Rise of New Champion qui est sorti donc le 28 août sur Nintendo Switch. Et ouais, il avait fait parler de lui hein, quand il est sorti. Bon, déjà par sa collector absolument démesurée, mais ouais, parce que aussi, ouais, le jeu est quand même assez stylé. Moi, je trouve dans les animations et tout, c'est quand même ça fait un peu en fait, c'est un Dragon Ball FighterZ de foot, enfin, je veux dire, de adapté au foot, à peu près, ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, dans l'idée, je veux dire, hein, voilà, dans le concept, c'est quand même. Dans l'idée, ouais. C'est plutôt sympa. Donc, voilà, dispo sur Switch et sur d'autres plateformes. Donc, on vous invite à le découvrir. Il est dispo sur PC. Et dispo aussi sur PC, j'ai oublié de dire. D'accord. Ok, bon, sur toutes les plateformes, de toute façon, il est sorti un peu partout. Très, très bien. Et ben voilà pour nos recos de la semaine. On va terminer l'émission tranquillement, oui, parce que voilà, on a eu un petit programme cette semaine, on n'avait pas beaucoup d'actu à vous dire, voilà, ni forcément de choses à vous dire, donc voilà, du coup, on a été droit au but. Le mot de la fin de cette semaine, pour vous rappeler un petit peu les choses gratuites, les bons plans, les trucs sympathiques à récupérer par-ci, par-là. Bien sûr, à commencer par l'Epic Game Store, hein, comme d'habitude. Epic Game Store donc, qui propose deux jeux cette semaine, c'est Abzu, le jeu donc sous-marin, voilà, qui était sorti d'abord exclusivement sur PlayStation et qui se retrouve donc sur l'Epic Game Store et qui est même sorti sur Nintendo Switch hein, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Sur Switch, ouais. Ouais, très bon jeu, moi je vous invite à faire. Il est vraiment pas long à faire, en 4-5 heures c'est plié, honnêtement, bon si vous faites en ligne droite, mais hein. Il me tentait bien en fait, il avait l'air. Ouais.
Ouais, moi je vous conseille vraiment, il est super beau, c'est un jeu onirique, l'OST est vraiment très très belle. Vraiment, c'est un jeu à faire vraiment sublime. Un peu dans la même veine que de journée, mais sous l'eau en fait. Donc voilà, c'est plutôt sympa à faire. Et l'autre jeu un peu moins philosophique, on dira, c'est Rising Storm 2 Vietnam. Donc c'est Pam Pam Boom au Vietnam. Hein. Bon, je vous fais pas de dessin. voilà, c'est. voilà. Donc voilà pour ça sur l'Epic Game Store. En jeu gratuit, nous avons Overwatch cette semaine qui est gratuit pour les membres premium. Pour ceux qui ont le Nintendo Switch Online sur Nintendo Switch. Donc vous pouvez jouer à Overwatch gratuitement toute la semaine prochaine jusqu'au 20. Ouais. Sur Switch. Ouais, sur Switch. Ouais. Regardez même l'affiche là. Hop, sur Nintendo Switch du 13 au 20 octobre. Ok, bah j'y toucherai pas, mais d'accord. Très bien. Il y avait un peu trop d'enthousiasme alors. Ah non, mais ça m'étonne que ce soit gratuit sur Switch. Et ouais. Ouais, du 13 au 20 octobre. En vrai, il y a encore des gens qui jouent à Overwatch. Ouais, c'est ça, mais sur Switch, sur Alors, moi j'ai arrêté. Sur Switch, moi, je encore. J'avoue que j'ai jamais touché, donc bon, peut-être une fois ou deux, mais j'ai jamais vraiment touché. Hein. Donc. Prochaine. Ouais, voilà, peut-être que je testerai, je verrai, mais voilà. Mais du coup, ouais, il est gratos du 13 au 20 octobre pendant une semaine, donc voilà. Si vous y avez jamais joué, bah testez-le. Le 2 sortira un de ces 4, donc bon, pourquoi pas. Voilà, je pensais à autre chose en même temps, mais je sais plus ce que c'était, c'est pas grave. Et du coup, on vous rappelle qu'il y a la démo de Pikmin 3 Deluxe qui est disponible aussi sur l'eShop. Donc voilà, c'est aussi à faire. C'est à faire. Et la sauvegarde est transférable apparemment. Ah, d'accord. Oui. Donc... Ah, c'est cool ça. Il ouais, développe donc... des petits bonus dans le jeu final, comme un mode difficulté, des petits trucs. D'accord. Ok. Très bien. Et bah génial. Donc voilà pour tout ça, il y a plein de jeux à faire, à récupérer. Ah, donc, voilà. Il y a un truc, enfin c'est tombé ce matin, il y a Sonic 2 qui est gratuit sur Steam. Ah, ouais. Très bien. Voilà. Ok. C'est tombé ce matin. Voilà. Enfin tout à l'heure, même pendant l'émission. Ok. Voilà, vous cherchez Sonic 2 sur Steam, vous pouvez le télécharger gratos. Je crois que c'est que ce week-end. Donc okay. Il faut se dépêcher. C'est ça. Très bien. Et on demande dans le chat, est-ce qu'on peut récupérer les infos de ce compte Epic Overwatch, c'est pas sur l'Epic Game Store. Non, c'est Activision Blizzard. Ouais, c'est bizarre, il n'y a pas de crossplay, donc non. C'est vraiment des versions différentes. C'est ça. Donc, voilà. Mais voilà, du coup, pour ces bons plans, et puis voilà. La semaine prochaine, donc on rappelle, sortira sur Nintendo Switch, donc Mario Kart Live notamment, Cloud Punk, Prini 1 et 2 et Hardcore Mecha. Hein. Il y a sûrement de quoi jouer, du très bon jeu là-dedans, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir aussi sur l'eShop. Et puis voilà, on débriefera tout ça la semaine prochaine, peut-être, on sait pas. voilà, on va être honnête. Mais voilà, on essaiera d'être là la semaine prochaine. On vous tiendra bien sûr au courant sur les réseaux sociaux et sur le forum de GN qu'on vous invite à suivre. Il y a plein de choses en ce moment. Il y a des concours qui se mettent en place, notamment Titou qui recommence à faire des tournois par-ci par-là aussi sur le forum. Donc on vous invite à aller voir ça, à aller checker tout ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Génération Nintendo, sur notre Twitter @g_Nintendo, sur Facebook aussi, sur YouTube, bref, sur tout ça. Pour les chroniqueurs, bah, vous pouvez aussi les suivre sur Twitter. Vous suivez Fry, Oula, c'est pas le bon jingle, pardon. vous suivez Fry, pardon. Fry, Violette, pardon, _Rumple. Pour Kanozu, c'est @Kanozu_. Pour Copan, c'est @_CorpiCopan_. Et pour ma part, c'est Megamagus, @Megamagus, tout simplement. D'ici la prochaine émission, on vous souhaite plein de bons jeux, du bonheur, de l'allégresse. Amusez-vous, voilà, il y a plein de choses à découvrir. Et on vous tient bien sûr au courant pour la tenue de la prochaine émission. Soyez-en sûrs. D'ici là, portez-vous bien. On vous dit à la prochaine. Ciao, bye bye. Bye. Tchuss.